Salut tout le monde, c'est Niafit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série sur un nouveau jeu, le jeu Jardina 2. Eh oui, Jardina 2. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, Jardina 2 est un jeu de casse-briques avec des nains qui nous lancent des pots de fleurs, d'où le nom Jardina. Alors je vais tout de suite me créer un profil, créer un nouveau joueur, je vais l'appeler Niafit. Ok. Eh bien directement, nouveau jeu, je vais me mettre en facile parce que le jeu est peut être assez dur. Donc là il y a un petit chargement. Voilà. Hop. Ça devrait pas être trop long, voilà, c'est fini. Et donc le but est de finir tous les niveaux. Donc voilà le niveau 1. Hop. Et vous voyez en haut à droite, il y a un petit nain qui se cache. Ah ok, ça me fait aller en ralenti, c'est très bien. Oh coucou. Et donc si on touche le pot de fleurs que nous lance les nains avec la balle, il nous rapporte des points du coup. Pardon. Ah, ça réaccélère un peu. Oui. C'est chiant quand ça fait ça par contre. Parce que là on doit attendre. Et donc voilà, on gagne des points. Et vous voyez que si vous regardez bien les nains, les yeux des nains, quand je bouge ma souris, voilà, regardez, j'ai mis des points, donc ça c'est dur. Quand je bouge ma souris, regarde ailleurs. Ouais, j'en ai caché 3. Donc après on aura des pouvoirs genre... Oh non, non, si je m'applique, je peux... assez vieux quand même, parce que il a été, enfin c'est du version 2006-2007, on le voit en bas à droite. Ça fait un petit moment quand même qu'il a été créé. Donc ceux qui aiment les casse-briques et les vieux jeux, eh ben ça te sert. Donc j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Ouais, voilà, j'aime bien qu'on a fait ça. Si je m'approche trop près d'eux, des fois, ils flippent. Si j'en fais tomber un, normalement, je peux le faire rebondir sur ma mini-plateforme. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais essayer de casser le verre, le truc orange, je veux dire. Non, pas ça. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça m'a grandi ma plateforme. Déjà que je suis à 1115 points. Oui, j'ai fait tomber un nain. Et donc si je le fais rebondir, hop là, ça me donne un truc. Dans une. Alors le truc interdit, ça faut pas le prendre, sinon notre palette est toute petite. Ça va plus vite. C'est quand il ne reste plus qu'une ou deux petites plateformes.
vidéo par niveau, hein. Comme ça, ça fait... ou alors, deux niveaux par vidéo, je ne sais pas trop. Parce que parfois, les niveaux peuvent être très très longs. Donc, si il me reste du temps, j'en ferai deux, puis sinon, un. Bonjour. Maman, quand je passe trop près d'eux, ils tremblent. Regardez les nains, ils sont tranquilles, ils ont pas peur. Genre, vas-y viens. J'ai 100 000 points quand même, ça va vite. Et là, regardez là, comment elle a eu peur. Des fois, les nains peuvent rebondir très haut quand on a une balle qui les tape. La tortue, comme des fois ça ne peut pas l'être, parce que là c'est un peu long. Oui, en plus ça me donne des points de donc voilà un jeu très très sympa si jamais on s'emmerde. La banane, c'est pour faire tomber. En fait, tous les nains qui sont perchés sur des blocs, ben, la banane, ça les fait glisser. Du coup, ben, ils tombent tous. Et une fois, je suis arrivé, il y a au moins 30 nains. Je pouvais même pas les faire rebondir tellement il y en avait. Je ne sais pas viser. Le truc, ça va être méga lent, tellement je sais pas viser. Oui, j'en ai deux. Argent. Oh non, en plus je la renvoie. Je vais y aller tranquille. Voilà. Plus que 2 sur 4. Oh non. Je suis nul. Oh non. J'adore les changements de direction comme ça, elle arrive, hop là, elle repart de côté. Oui, oui, oui. Oh non, sérieux, il me reste un. Et celui-là, je vais mettre 50 ans à l'avoir, tu vois. Oui, je l'ai eu. Ouh. Ouais, fin du niveau 1. Et
on passe au niveau 2, vu qu'il y a 4 minutes. Hop, on lance la balle, je crois que je me suis raté. Ah non, si. Donc les petites parties oranges que vous voyez, en fait, si on touche une zone orange, ça fait péter tout, en fait. Donc le niveau 2 est assez court. Voilà. Je vais essayer de les toucher. Hein. Sauf que... Juste essayer. J'ai pas dit que j'allais y arriver. Oh non. J'ai fait tout le tour. Oh non, y'en a qui se cache. Piti piti piti. J'aime bien la musique. Et coucou Petina. Vous avez vu, c'est coucou. Hop, je vais y arriver. J'ai pris un aimant qui permet d'avoir la balle fixée sur ma petite palette de trucs là. Donc quand un aimant passe sur ma palette, enfin sur ma plateforme, et que ben j'ai la balle collée dessus, il la fait tomber. Alors non, pas le sens interdit, surtout pas. Là je reste, en fait il faut cliquer pour la faire repartir. Je mettrai le lien dans la description, le lien du jeu si vous voulez y jouer. Ouais. Coucou. Oui, je te fais péter. J'ai une balle en feu. Oh non, j'ai fait tomber mon nom. Bon là par contre ça va être un peu plus dur de faire casser tout ça. Je pense qu'on va se laisser là. Hein. Oh non. Je pense qu'on va se laisser là. J'étais super bien placé et tout. Oui. Et la fin du niveau 2. Et sur ce, oui, voilà, on va se laisser là. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.